Good morning, Aleida, les tutos aujourd'hui, le Nishma, le Rabbi Shmuel, ben Shlomo Zalman, Sarah, Bat Hanan, Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim, Ben Sarah, ainsi que le Fouad Sarah, Bat Betty, Rivka, Ptor, Shafol Israël, si vous êtes aussi dédié à une prochaine étude de Mishnah, Kotri, Kitel, 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sarah, Temenachot, Perek Yud Aleph, Mishnah, Bet, Echad, Shte Alechem, Ve Echad, Alechem, Apanim, Lishatan, Va Arichatan, Bachutz, Va Aviatan, Bifnim, Venan, Dochot, Et Hashabbat. Rabbi Yuda Omer, Kol Masehem, Bifnim. רבי שמעון אומר, לעולם הווה רגיל לומר, שתי הלחם ולחם בפנים כשרות בעזרה וכשרות בבית פגים. Avant de commencer, on évoque une petite connaissance, à savoir que, bien sûr, il y a une notion que l'on sanctifie les choses pour les apporter au Mizbeach. C'est-à-dire, si je vais vouloir prendre un animal et le faire en sacrifice, alors il faut, auparavant, que je sanctifie l'animal, c'est-à-dire que je vais le consacrer, qu'il va devenir la propriété d'Hachem. Et ensuite, alors, chaque fois que je vais sanctifier quelque chose, il y aura des halakhot qui vont, en conséquent, s'appliquer. De manière générale, la sanctification la plus haute va dire qu'on n'aura plus le droit de le consommer, on n'aura plus le droit de le faire sentir en dehors du Beit HaMikdash. Ouais, plein de restrictions parce que c'est devenu la propriété du Beit HaMikdash. On est en train de rentamer, d'impurifier, c'est devenu la propriété d'Hachem. D'accord ? Maintenant, ce qu'on va évoquer entre les lignes dans notre Mishnah, c'est qu'on va... Ça existe de sanctifier les choses, mais par échelon. C'est-à-dire, quand je vais prendre de la farine et je vais vouloir en faire une mincha, alors il va falloir la sanctifier. Et après, elle va devenir... Elle va prendre une gdusha de korban. Eh bien, si vous voulez, eh bien, il faut savoir que la gdusha de cette farine, qui va devenir donc une mincha, par exemple, alors la gdusha, elle va arriver en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va sanctifier, mais... On ne sera pas astreint à la laisser à l'intérieur de la Hazara encore, même le sortir en dehors de la Hazara. Après, on va la sanctifier encore plus, et désormais, on n'aura plus le droit de faire sortir de la Hazara. Et il faudra nécessairement le faire encore ben aujourd'hui, si on aura passé la nuit, ce sera devenu invalidé. D'accord ? Vous avez compris comment ça se passe ? Il y a plusieurs halakhot, si je résume. Entre ce qui est profane et ce qui est kadosh, il y a plusieurs échelons. Selon le niveau d'échelon, plus on s'approchait du korban, plus il y aura des restrictions, à savoir ne pas en tirer profit pour une personne, à savoir plus que ça, est-ce qu'on aura le droit de le faire sortir, est-ce que... ouais, d'accord, on a compris le principe. À présent, je commence tout de suite à traduire la Mishnah, parce qu'en fait, lorsqu'on va faire les pains, on va parler des pains et du lechem apanim, comme on va les rappeler tout de suite, alors dans les pains, il y a plusieurs étapes. Il y a tout d'abord, il va falloir amener la farine, il va falloir sanctifier la farine. Après, la farine, il va falloir la pétrir et la faire sous forme de pain. Et ensuite, la faire entrer au four. La question va être de savoir où le faire, parce qu'il y aura un interdit de faire sortir en dehors du Beit HaMikdash. Et ça dépend de ça, justement. Alors, regardez. Echad shte alechem ve echad alechem bapanim. Qu'il s'agisse de shte alechem, les deux pains que l'on apporte à Atzeret, à Shavuot, les deux pains avec lesquels on va faire le rituel, avec les deux kvasim, on va les balancer dans les directions. Ve'echad lechem apanim, ou encore qu'il s'agisse même du lechem apanim, les pains du Shabbat. D'accord ? Les pains du Shabbat, bon, je vais à la bracha à Jérusalem, ça tombe bien fort. Les pains du Shabbat, c'était les 12 pains. Alors, pour ces deux formes de pain, en fait, qu'on va faire cuire, la Mishnah nous enseigne Lishatan varichatan bachutz. Pour les pétrir et pour les former, tu pourras le faire en dehors du Beit HaMikdash. Par contre, vafiatan, mais pour les faire cuire, bifnim, tu devras nécessairement entrer au Beit HaMikdash et ne pas le faire dehors. Et à part cela, venan dochot et Shabbat, et elles ne repoussent pas le Shabbat. C'est-à-dire, succinctement, d'abord, si tu ne les as pas fait depuis le vendredi après-midi pour le Shabbat ou la veille de Shavuot pour le lendemain, eh bien, tu n'auras plus le droit de les faire pendant la fête, pendant Shabbat. Parce que la plupart des korbanot, on a le droit de transgresser les interdits de Shabbat pour la vodot du Beit HaMikdash, puisque la Torah m'a dit d'apporter le korbanot bemoado, lorsque c'est sa date, même si c'est Shabbat, à le Shabbat au Beit HaMikdash, on faisait des korbanot, il y avait le korbanot du Shabbat, shnei kivasim v'neshanot mimim, comme on le dit dans le Moussaf, il y avait le korban tamid, et bien ces korbanot, puisque c'était la vodot du Beit HaMikdash, on avait le droit de le faire pendant Shabbat, c'était la mitzvah, comme on fait un brit milah Shabbat. Mais, par contre, pétrir et faire cuire le pain, donc des shtalechem et des lechem apanim, on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. On va revenir dessus dans quelques secondes.
Pour le moment, je veux d'abord vous donner une allure de la Mishnah, histoire de bien structurer. Donc retenez pour le moment, on a parlé de pétrir et former le pain et faire cuire. Pétrir, tu le fais en dehors, mais faire cuire, tu le fais dans le bétain, dans l'azar. Le deuxième avis, c'est Rabbi Yehuda qui va me dire « Kol ma'asem bifnim » Non, tu fais tout à l'intérieur, depuis le moment où tu vas, même le pétrir. On va expliquer pourquoi, même si c'est pas expliqué. Ça n'a pas été expliqué dans les Mefarshim, c'est un peu désagréable. Mais, ouais, d'accord, je veux d'abord structurer les avis. Rabbi Shimon Omer, non. Léolam hever agil omar. A jamais, et l'habitude de dire, de connaître cette chose-là par cœur, que quoi ? Shtea lechem belechem apanim ksherot ba'azara. Que les deux pains et les lechem apanim, ils sont kachers s'ils sont dans la Zara. Les ksherot bebet pagi. Et ils sont même kachers, si tu veux, même à bet pagi, qui est un lieu à l'extérieur du bet amigdash. Alors maintenant, on va faire une petite pause et on va expliquer un petit peu mieux ce qu'on a lu. Il y a trois avis qu'il faut connaître. Il y a, à savoir d'abord, une notion générale, c'est qu'à partir du moment où la mincha, les pains sont devenus kadosh, il y a un problème de les sortir, qu'on va expliquer exactement c'est quoi après. Mais il y a un problème de les sortir parce qu'ils sont devenus kadosh. Sur ça, on a trois avis. Il y a un premier avis qui va me dire, eh ben, tu sais quoi ? Je vais commencer par Rabbi Yehuda, qui est le deuxième. Il va te dire, dans ce cas-là, depuis le moment où tu vas commencer le pain, tu dois être qu'à l'intérieur du Beit HaMikdash et tu n'as plus le droit de sortir. Apparemment, c'est plus précisé, mais je suppose que Rabbi Yehuda considère que depuis le moment où on va mettre la farine dans le verre mesure du Beit HaMikdash, ça va déjà devenir kadosh. Et dès lors, tu n'auras plus le droit de le faire sortir, comme je vais expliquer dans quelques secondes. Pourquoi ? D'accord ? Ça, c'est Rabbi Yehuda. Depuis le moment où tu as commencé même à pétrir, même à mesurer la farine, ça devient kadosh. Rabbi, je reviens maintenant sur le premier avis, qui était pas précisé qui est l'auteur. Lui, ce premier avis va nous dire non. Pétrir et former le pain, tu peux le faire à l'extérieur du Beit HaMikdash. C'est pas encore kadosh. Par contre, lorsque tu vas vouloir le faire cuire, le tanour, le fourneau dans lequel tu vas faire cuire, va lui sanctifier. Et le troisième avis, c'est Rabbi Shimon qui va nous dire non. Les olam, les shta lechem et le lechem apanim, eh bien, tu as le droit même de les sortir en dehors de Beit Pagi parce qu'il n'y a pas d'interdit de le sortir. Et alors là, on va porter un petit zoom, un petit peu, histoire de mieux comprendre. Il y a d'abord un Tosfot Yom Tov qui nous rapporte une marloquette, Rashi et Tosfot. Sur le premier avis de la Mishnah, tu peux le pétrir à l'extérieur du Beit HaMikdash, mais le faire cuire, c'est que dans le Beit HaMikdash. Là, il considère que pour sanctifier la pâte, pour sanctifier le pain, il faut que ce soit nécessairement passé par le fourneau du Beit HaMikdash. Le fourneau va sanctifier ce qu'il a fait cuire. Et pas ce qu'il y avait avant. Et donc, de ce fait, puisque ça a été sanctifié, la Mishnah m'enseigne, tu n'as plus le droit de le faire sortir dehors. Pourquoi ? Rashi va nous dire qu'il y a un interdit de psoul yotse. Autant que tout ce qui est devenu kadosh au Beit HaMikdash, j'ai plus le droit de le faire sortir au-delà des limites permises. Et bien là, quand tu as fait cuire le pain dans la Hazara, donc tu l'as rendu kadosh, eh bien, tu n'auras plus le droit de le faire sortir à l'extérieur du Beit HaMikdash. Donc, de ce fait, tu vas préparer ton pain à l'extérieur si tu veux, mais après, pour le faire cuire, tu viens nécessairement dedans, dans le Beit HaMikdash, parce que tu le sanctifies. Tosfot ne sont pas d'accord avec ça. Ils prouvent qu'il n'y a pas d'interdit de Yotze de faire sortir ces Menachot-là pour le moment. Ce sera que plus tard qu'il y aura l'interdit de Yotze. Ouais, c'est plus complexe, on ne va pas rentrer trop dedans. Mais, donc, l'interdit ici, c'est un problème de mépris de la farine. T'es venu avec ta farine pour la faire entrer au Beit HaMikdash, c'est pas digne maintenant d'aller la ressortir dehors. Au contraire, on te demande maintenant d'être près de la finalité, donc si tu veux, tu pétris dehors. Mais une fois que tu vas faire cuire, tu le fais à l'intérieur, comme ça tout de suite après, on le fait monter en corbeille. D'accord ? Ça c'était pour l'avis de Rabbi Yehuda. Et donc on a dit, il y a Rabbi Shimon qui nous dit tu fais tout à l'intérieur. Apparemment, alors là ça touche à une autre discussion qu'on a vu dans le Perek Tet Mishnah Hei, à savoir, pour pouvoir sanctifier un korban, pour lui faire monter de Gdusha, il faut nécessairement le mettre dans un ustensile kadosh qui a été oint en guise de service. Le principe, si on veut l'imager, c'est comme si tu as apporté quelque chose, une offrande au grand roi, au roi, à Hachem, on prend l'exemple de roi, tu as apporté, tu l'as servi une bonne nourriture dans son assiette, puis après tu récupères l'assiette, c'est pas digne. Donc tout ce qui est passé dans l'ustensile, le klisharet, l'ustensile avec lequel on fait le service au Beit HaMikdash, donc maintenant, tu n'as plus le droit de le ressortir. D'accord ? Ça, c'est... donc, Rabbi Yehuda, Kol Ma'asem, Bifnim, tu fais... Donc, depuis... Ah ! Ouais, c'est... J'ai pas vu le film. Très rapidement. Donc, maintenant, on avait vu une marloquette en haut dans Perek Tet Mishnah. Hey ! Est-ce que les ustensiles avec lesquels on mesure les choses sèches,
ont été sanctifiés ou pas. Il y avait une grande Mishnah où ça discutait beaucoup. Il y avait plusieurs avis, trois avis essentiellement. Est-ce que ça correspond en fait, est-ce que quand on a sanctifié les ustensiles, on les a à l'intérieur ou aussi à l'extérieur, on ne les a pas du tout hein. Et ça sortait de là-bas qu'il y avait en réalité une discussion. Il y en a qui disent que les mesures n'ont pas été sanctifiées du tout. En fait, ça nous correspond à l'avis chez nous du premier avis de la Mishnah, et même aussi à Rabbi Shimon, le dernier de la Mishnah, que donc, ça n'a pas été sanctifié. De ce fait, c'est complètement profane. C'est comme si tu as amené un verre de ta cuisine, c'est pas parce que tu as mis de la farine avec l'encens que ça va devenir un korban, que c'est déjà devenu un korban. Donc tu as le droit de le sortir et tu fais ce que tu veux. Par contre, selon ta nakama, le fourneau, cette fois-ci, va sanctifier, parce que le fourneau, lui, il a été loin, avec intention de sanctifier une fois qu'on l'a mis dedans. Avec, comme son idée, la discussion, quel est l'interdit de le faire sortir en dehors de la Hazara pour le moment, est-ce que c'est Minatora, ou c'est que Midrabanan à cause du mépris. Et il nous reste le dernier avis. Ah non, il fallait expliquer aussi cette histoire que Venan de Chot est à Shabbat. Et là, ça nous pose un grave problème. À savoir, tu me dis que ça, la cuisson ne repousse pas le Shabbat. Mais tu me dis aussi que tu le fais cuire à l'intérieur pour le sanctifier. D'accord ? Donc, parce qu'il faut le sanctifier. Parce qu'après la cuisson, il va être sanctifié. Mais alors, on a un grand problème. C'est que si tu l'as sanctifié, ton pain, eh ben, t'as plus le droit de le faire passer la nuit. Il y a un interdit de l'INA. Tout ce qui est devenu kadosh, il doit être offert dans la journée. Il ne doit plus devenir, il ne peut plus être reporté jusqu'au lendemain. C'est pas possible. On n'a pas le droit de faire passer la nuit. De ce fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu me dis que tu dois le faire cuire à l'intérieur. D'une part, parce que ça va devenir kadosh. Mais d'un autre côté, tu me dis, ça ne repousse pas le Shabbat. Donc si ça ne repousse pas le Shabbat, ça veut dire que tu me demandes de faire les chalot depuis la veille. Et tu m'as demandé de les faire cuire depuis la veille. Et si j'ai fait cuire depuis la veille, alors ils sont devenus kadosh. J'ai plus le droit d'être possède Bélina. Et sur ça, l'Agma pose la question. Et répond qu'il y a ici deux avis. D'accord ? Ces deux avis distincts, Béhemet, c'est pas, il ne faut pas lire en une phrase. C'était ici, excusez-moi, je regarde. La soeur de Mishabat, de Mishas Makshinan, il y a une gagnée, ok. Bon, je le retrouve plus, mais en tout cas, c'est écrit, je l'ai lu tout à l'heure. C'est une discussion. Del Maskana, Mrinan, Tavra. Voilà, c'était tout ça ici. Est-ce que le Maskana, la conclusion de la Gemara, elle te dire qu'il faut couper la Mishnah. Ce qui est celui qui a dit que tu pourras le faire depuis avant Shabbat, eh ben, c'est pas le premier avis, mais si déjà, ça pourrait correspondre à l'avis de Rabbi Shimon, qui nous dit que rien n'a été sanctifié dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit de Yotze, et il n'y aura pas d'interdit de Yotze de faire sortir, et donc il n'y aura pas non plus d'interdit non plus de le faire depuis la veille pour le lendemain, parce que c'est pas encore devenu kadosh. Et c'est tout pour aujourd'hui, juste une pleine de Slachakotou, c'est là.